Je m'appelle Nathalie Crasset, je suis designer industriel, j'habite à Paris et plus particulièrement à Belleville. D'accord. Et on vous connaît depuis une bonne vingtaine d'années au moins. Oui. Comment on fait pour avoir une carrière longue et puis se faire connaître comme ça? D'accord. Alors, moi, ce que j'explique toujours, c'est que c'est assez important d'essayer de trouver son approche personnelle. Moi, je suis pour faire en sorte que chaque designer ait une approche complètement différente et singulière. Et donc, il faut à un moment donné expérimenter à l'école pour arriver à trouver ce qu'on peut apporter justement de différent dans le microcosme du design. Et voilà. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est intéressant de travailler. Moi, j'ai déjà travaillé pour d'autres avant de me mettre à mon propre compte. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas quand on sort de l'école de design, on n'est pas prêt. Je pense que c'est assez complexe d'être designer. Et que moi, j'ai bien aimé justement me confronter à la façon dont une autre personne pouvait non seulement réfléchir, mais pouvait aussi organiser son studio, pouvait ou non travailler sur des projets qui sont directement dans le secteur. Par exemple, est-ce que c'est des projets industriels ou est-ce que c'est plus des projets qui vont considérer l'architecture intérieure, etc. Et donc, c'est intéressant de comprendre ça. Et en travaillant donc déjà en Italie chez Santa Chiara, puis avec Philippe Sark en France, en fait, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait plutôt passer du temps à affiner sa propre approche plutôt que d'essayer de la lisser pour essayer justement d'en faire quelque chose qui soit plus, voyez, plus digérable en fait par tout type de structure. Voilà, parce qu'on a un peu cette interrogation là quand on sort de l'école. Quand je suis sortie de l'école, on savait à peine ce qu'était qu'un designer. Donc tous les jours, on s'amusait à expliquer à quoi on servait. Aujourd'hui, je pense que ce qui est plus important, c'est que le designer, il va être aussi en charge non seulement de mettre en forme, mais ça va pas être de la mise en forme. Simple, ça peut être une mise en forme de concept, ça peut, vous voyez ce que je veux dire, ça peut prendre plusieurs matérialisations possibles, mais aussi il va souvent être il va devoir aussi faire le cadre de développement du projet, ce qui n'était pas le cas en fait quand je suis sortie de l'école, vous voyez, on avait plus des collaborations avec des partenaires, mais aujourd'hui il y a beaucoup de designers qui vont eux-mêmes en quelque sorte trouver leur cadre et à l'intérieur proposer leur pratique et donc ils vont développer l'endroit où ils vont développer la base de croissance du projet, ce qui n'était pas le cas, vous voyez, il y a une vingtaine d'années. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus d'opportunités, mais il faut avoir une vision plus globale, il faut englober tout, alors qu'à l'époque où je suis sortie d'école, on nous demandait de faire notre métier, on va dire, plus usuel et moins autour de cette idée d'aller fédérer les gens pour essayer de construire en quelque sorte aussi les différentes étapes d'un projet, c'était plus structuré avec des partenaires déjà existants. Et alors maintenant, est-ce qu'il faut des qualités supplémentaires pour être designer aujourd'hui? Je pense, puisqu'en fait, la grande différence aussi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand je suis sortie d'école, on parlait d'évolution de société et aujourd'hui, on va parler plutôt de contradictions dans nos sociétés. Donc en fait, il faut prendre parti par rapport à ces contradictions, alors que il y a 20 ans, c'était plutôt l'idée. Moi, j'avais par exemple beaucoup travaillé sur l'idée de l'intégration de la technologie dans le domestique, par exemple. Je parlais toujours de cette domestication de la technologie. Or, aujourd'hui, c'est pas suffisant en fait. La technologie, elle est là de toute façon, et donc il faut déjà voir en quoi dans chaque secteur il y a des contradictions et en fait prendre position et après former petit à petit le projet autour de ça. Donc ça demande en fait une espèce de veille globale où ça demande de mettre à plat les choses, de collecter les informations et après de pouvoir un peu plus sereinement choisir une direction. Donc c'est vrai que c'est plus complexe en fait, on va dire.
Et donc, il faut choisir des projets en fonction de ses valeurs aussi à soi et sa personnalité qu'on veut. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça c'est qu'on parle de contradiction et on va prendre position. Donc là, ça veut dire qu'en effet, on va pouvoir exprimer ses valeurs. D'accord. Donc, c'est quelque chose où il faut se mettre en valeur soi et pas, donc, en fait, pas juste le cumul de produits. Voilà, c'est un peu contradictoire parce que je pense qu'on était en quelque sorte assez engagés quand je suis sortie de l'école. Il y avait une notion d'engagement, il y avait une notion d'approche très singulière. C'était plutôt ça. Et aujourd'hui, ça se transforme un peu dans l'idée de prendre position, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... n'importe quel projet demande justement d'éclaircir cette notion-là et quelquefois d'accompagner justement les acteurs avec qui on va travailler pour qu'ils éclaircissent aussi leur positionnement et pour leur faire découvrir aussi que c'est peut-être mieux de trouver une autre logique. Donc, mon métier, je l'articule plus comme ça maintenant, essayer de trouver de nouvelles logiques. Je pense que dans mon travail, on voyait déjà que je pouvais passer assez facilement de l'objet à l'espace, donc et puis après de l'espace pérenne, éphémère à de l'espace pérenne, ça s'est fait un peu graduellement et d'une petite échelle à une plus grosse échelle, en fait, ça s'est fait comme ça. Donc il faut aussi faire ça, en fait, ne pas considérer que moi j'ai jamais considéré qu'il y avait des projets commerciaux et des projets qui n'étaient pas commerciaux. En fait, ça c'est déjà une énorme, dans tous les projets il y a quelque chose à faire, même si il y a toujours un moyen de faire évoluer les choses, chaque projet est intéressant et je ne considère pas qu'il y a certains projets qui font vivre les autres, qui me permettent, voyez, de faire vivre les autres. Et vous, par exemple, un des points que vous avez, c'est la couleur aussi, vous en avez parlé pas mal de fois. Ça, vous, dans chaque projet, vous essayez d'apporter ces touches-là comme dialogue aussi, quoi. Et là, la couleur, c'est pas articulé individu séparément, en fait. C'est aussi ça qui est plus complexe maintenant, parce que j'essaie d'avoir un regard général, parce que le projet, il faut qu'il soit à la fois, et c'est pas une couche qu'on vient rajouter au dernier moment, il faut qu'il soit à la fois artistique, il faut qu'il soit programmatique, à quoi il sert, il faut qu'il soit écologique, il faut qu'il soit social aussi souvent. Mmh. Et toutes ces notions-là doivent être mélangées et former une seule, vous voyez, un seul élément est bien et pas, donc c'est pas des couches qu'on rajoute, c'est le concept qui doit fonctionner pour ces quatre éléments en même temps, vous voyez, c'est ça qui est, donc en fait il faut bien prendre ses contraintes en amont et après les oublier un peu, faire ressortir ses valeurs et faire ressortir en quoi son approche elle peut amener quelque chose dans le projet et elles vont être un peu comme ça directement amalgamées. Concrètement, c'est la direction qui va être choisie va tenir compte de ses contraintes, mais en apportant un aspect sensible, puisque l'aspect sensible, il n'est pas là dans le projet, c'est à nous de le convoquer, en fait. Hein. C'est au designer de l'apporter et de le convoquer dans le projet. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est de... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est compliqué, parce que le design, tout le monde a un peu sa propre définition, et moi, je pense au contraire que c'est une chance. Ça veut dire qu'on peut pousser les limites aussi sans qu'on s'en aperçoive non plus vraiment. Ça veut dire qu'on est tous en fait en charge en tant que designer de définir ça au quotidien avec sa propre approche et singulière, justement, ce qui fait que le design pour moi c'est plus une multitude de choses qui sont parallèles plutôt que de se dire que c'est une grande chose qu'on pourrait définir avec une phrase. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est une vraie chance parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de plasticité, il y a une espèce de, à la fois dans la définition du design global, mais aussi dans la propre façon de l'exercer au quotidien. Donc, chacun peut raconter son design à lui, en fait. Peut trouver son approche et peut trouver des gens qui s'intéressent justement à cette approche-là. Tout le monde est un peu en train de réfléchir sur un petit mouchoir de poche qui est un peu en train de se réduire aussi, vous voyez. Donc, en fait, alors qu'il y a plein d'opportunités tout autour, on n'a jamais autant eu besoin des designers dans la société aujourd'hui, en fait. Je pense que donc, c'est ça l'important. Et comment justement ne pas être perdu dans cette masse de nouveaux designers et nouveaux projets ? Mais justement, c'est-à-dire que si on a fait l'effort de se mettre un peu en risque à l'école, d'avoir fouillé quelque chose d'un peu plus personnel, et ben, ça va venir se catalyser tout seul, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un premier projet qui va venir, voilà, et puis à partir de ce projet-là, on va créer un réseau.
Et petit à petit, voilà, ça va devenir le réseau qui va permettre de... Alors, au début, ça va pas, c'est pas forcément à 100% ce qui va nous nourrir, mais après, petit à petit, ça va le permettre. Voilà. Si on ne fait pas ça, si on se met pas en... si on sort pas de sa zone de confort, eh bien, on va rien trouver. Et donc, on va se retrouver sur une espèce de... de centre mou où tout le monde, où tous les designers qui n'ont pas fait cet effort de rechercher quelque chose de plus personnel, ils vont se retrouver. Et donc là, ça va être plus compliqué, bien sûr. Et on n'apprend pas ça à l'école, de se chercher. Bah, si, quand même un peu. Je pense après, il y a des écoles qui le favorisent plus que d'autres. Mais puisqu'on a toujours une dominante artistique hein, dans notre profil, donc on est à la fois dans l'idée de se connaître mieux et à la fois l'idée de, en même temps, c'est un double domaine, le design. À la fois, ben voilà, c'est cette recherche personnelle, puis après il y a la recherche de l'autre, l'altérité. Donc c'est un peu les deux, la singularité et l'altérité à faire cohabiter ensemble. Mais là maintenant, vous avez pas mal d'expérience, mais quand au début, est-ce qu'il y a un conseil des conseils que vous n'aviez pas compris ou pas suivi, des conseils qui maintenant... Non, mais le conseil, c'est de faire attention à, justement, de faire attention aux rencontres qu'on fait, c'est-à-dire que quelquefois, on peut faire des projets, mais en fait, on ne va pas les faire avec les bonnes personnes. Et ça peut être très dommageable parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes valeurs, justement. Donc, le projet ne va pas être bien, ça va peut-être mal se passer, ou en tout cas, ça va donner une vision un peu distordue, en fait, de ce qu'on pourrait amener dans un projet. Ou en tout cas, on ne va pas, à travers ce projet, apprendre des choses sur sa pratique, on va pas pouvoir mettre bien son savoir-faire à contribution pour faire fonctionner l'objet. Donc voilà, ça va être une espèce de... Donc voilà, donc si je peux poser... Alors c'est complètement contradictoire parce qu'en fait, on est on est dans un... Comment dire on pourrait dire que toute expérience peut être enrichissante, en fait, au départ, et qu'on a besoin de démarrer avec des projets. Mais il faut aussi protéger sa part de créativité. La créativité, c'est quelque chose de très fragile, en fait. Donc, il faut être vigilant là-dessus. En même temps, mais ça, je l'ai compris un peu plus tard. c'est normal, on passe tous par là aussi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée de se lancer dans le design ou c'est trop compliqué, trop bouché ? Non, ça reste une bonne idée. J'ai pas de... Non, il faut en même temps, il faut trouver un secteur, il faut trouver un corps de métier qui fasse que, voilà, on a quelque chose à... on est fort à un point, alors que on est plus fort à un moment donné que les autres sur un domaine, en fait. C'est ça qui fait la différence. Ouais, parce que c'est aussi en rapport avec ses passions, c'est ça, en fait. Oui. C'est souvent ça. On a la chance de pouvoir lier les deux, la passion et le métier. C'est évident, ouais. C'est évident que si c'est lié, les deux sont liés, ben ça va forcément aller plus loin, le projet va être plus fort et ça va faire la différence. D'accord. Et dernière chose, vous, on vous connaît, on vous reconnaît même par le style, les lunettes, la coiffure depuis quelques temps. Donc, est-ce qu'il faut créer un personnage pour se faire connaître ou est-ce que c'est juste du hasard ou on fait... Oui, bonjour. Alors, comment répondre à ça? Moi, je l'ai fait, j'ai choisi une coupe de cheveux qui m'allait bien, oui, je suis restée là-dessus, et puis j'ai eu besoin de porter des lunettes, et plutôt que de les cacher, je les ai au contraire amplifiées, puis il se trouve que je les ai dessinées, donc je les ai encore plus amplifiées, voilà, c'est un peu comment dire, c'est pas des hasards, mais en fait, c'est en même temps ce travail d'identité, il date pas du design, il date de comment je suis sortie d'un village de 80 habitants et à un moment donné, je me suis différenciée pour venir à Paris. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long, en fait. C'est l'idée de pas, puisque j'étais dans un village de 80 habitants, il fallait que j'arrive à avoir un espèce de processus de différenciation. Je savais que je voulais pas rester dans ce village. Je savais que voilà, il y avait une autre culture qui m'intéressait et donc voilà, petit à petit ça s'est fait comme ça. Donc déjà je voulais pas suivre les codes vestimentaires de ce village. Voilà, donc je m'en suis un peu écartée très rapidement. Et voilà. Et après
j'ai continué et dans ce voilà, mais ça ne tient pas qu'au design. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, oui, ça, tout à fait. C'est votre personnalité. Personnalité qui se construit quand on est ado et puis voilà, puis on continue. Mais ça vous crédibilise aujourd'hui en tant que designer puisque vous imposez pas, mais disons que vous êtes le personnage, donc on vous fait confiance pour ça aussi. Non, je dirais pas que je suis un personnage, mais on a la chance d'être en France des créateurs, des auteurs. Voilà. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et c'est ce qui fait qu'en France, on peut aussi être appelé pour faire d'autres choses. Je ne sais pas si c'est la même chose au Canada. Moi, je suis un profil de designer industriel, mais ça ne m'empêche pas de faire de l'architecture intérieure, ça ne m'empêche pas de faire des expos dans les galeries d'art. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on est reconnu comme créateur, comme auteur. Et donc, un auteur, un créateur doit être capable d'investir en fait différents secteurs sans problème puisque voilà, les gens font confiance là-dessus. Voilà, je dirais plus que c'est ça en fait. Vous voyez? Donc, c'est s'assumer en fait. Oui, ouais. C'est assumer la part de créativité qu'on a en soi et plutôt la mettre en valeur, voilà, pour que ça soit raccord avec ce qu'on fait aussi et par ailleurs, ce qu'on matérialise en fait, en quelque sorte. Mais c'est parfait. Si vous avez un dernier mot de la fin pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure, ce serait quoi? Ça serait de bien faire cet effort de réfléchir à qui ils sont et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de différenciant. Et puis de prendre des risques. Voilà, s'ils les ont pas fait, il faut faire beaucoup d'expérimentation. Il faut pas avoir peur de voilà et pas travailler trop sur le court terme. Il faut faire une différence entre savoir maîtriser des outils et à un moment donné travailler sur des projets qui sont, je dirais, engagés. Ça permet aussi. Plus facilement de faire ressortir quand on travaille sur des projets engagés, de faire ressortir la personnalité des gens aussi. Hein. C'est sûr que si on dessine tous le XM téléphone portable, c'est pas vraiment là qu'on va se différencier. Je sais pas, il y a tout à faire avec un. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a des projets qui permettent plus facilement de prendre position. Voilà. Ben, c'est parfait, ça donne vraiment envie de continuer dans ce milieu. Je vous remercie beaucoup, Nathalie Crasset, puis je vous dis à une prochaine fois alors. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.